C'est sans valise. Aujourd'hui, je vous propose un room tour de la suite où on loge à Fukuoka. Attention, ce n'est pas la même chose qu'à Tokyo, je vous préviens. Alors, on a genre 4 fois plus de surface. Je vais vous montrer à partir de l'entrée. Parce qu'en fait, là, je vous ai tout spoilé. Vous pouvez voir, ah non, pas tout, pratiquement tout. Alors, 4 fois plus de surface qu'à Tokyo. Ici, donc, la porte d'entrée. Un petit coin pour mettre son parapluie, ses chaussures. Hop, là, je rentre, je mets mes slippers. Ici, je mets mon manteau. Hop. Ici, je range mon sac. Il y a ma collection de sacs, là, du coup. Vous voyez celui de Morgane aussi. Ensuite, il y a une porte en verre avec... voilà, qui fait un sas. Hop. On n'entend plus personne, on rentre dans l'appartement, la résidence. Donc là, une œuvre d'art, la partie bureau. Je reviendrai plus précisément sur la partie bureau parce qu'on peut s'attarder dessus. La vue. Bah, du coup, vous pouvez voir exactement le logement dans lequel je suis parce qu'en fait, il y a plusieurs tours assez similaires et moi, je suis dans la tour numéro 2. Et en fait, on peut peut-être voir là-bas, mais il y a une piscine. Bon, il fait un peu froid, là, je tourne ça début mars, il fait encore un peu frais. Là, la partie chambre, vous remarquez qu'il y a 2 lits. Alors, on n'en utilisera qu'une hein, avec Morgane, je pense qu'un lit comme ça, c'est amplement suffisant. Il y a des mangas, le cache-yeux de Morgane, toc. Parce que Morgane est un vampire, il ne supporte pas la lumière. Voilà, et une grosse surface ici pour pouvoir faire du body combat, de la zumba. Je vous ai allumé la télé pour faire style ambiance. Là, vous remarquez déjà qu'il y avait un bureau, et là, il y a à nouveau un bureau. En fait, c'est un meuble télé, tu peux mettre des trucs. Et puis, bah, moi, j'en ai profité pour mettre, bah, genre là, vous voyez, mon iPad Pro, comment je travaille pour faire mes vidéos YouTube. Là, il y a mon ordinateur qui est en train d'uploader une vidéo 360, justement. Un miroir, c'est sympa. Voilà, un humidificateur. Là, c'est la partie salon. Ah, oh, une partie salon. Alléluia. Donc, il y a des grands placards. J'ai pas encore tout installé. Mais bah, déjà, vous voyez, genre l'essentiel. En fait, là, il y a les omiyage que je cache. Les cadeaux pour mes neveux, nièces ou ça. Ma collection de chouchous fait par ma maman. Ma trousse à maquillage et puis mes petites barrettes. Forme de cœur. Hey. Puis comme toujours, dans les lieux où on dort au Japon, il y a toujours un yukata fourni. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire, en fait, dans préparer son voyage au Japon, inutile d'amener un pyjama. Il y a toujours de quoi faire. Voilà, j'ai glissé ma valise là-dessous. Et là, tu dis, c'est fini, non? Ah ah, mais non! Ta-da-da-da! Il y a une autre partie! Ah ah! Alors, une partie cuisine. Avec une bouilloire japonaise, là, quand on appuie, paf, l'eau descend par là, il y a du thé, voilà. Et puis, j'ai mis une banane, ça c'est un omiyage hein, qu'on emmène, c'est pas d'office au Japon. un petit four, un petit frigo, tiens, je l'ai même pas ouvert pour voir. Ah bah ouais, bah, c'est bien. Hop, et puis voilà, mais c'est énorme, t'as une machine à laver. Panasonic. Tadam. Ça fait un petit peu comme les cuiseurs à riz, je trouve. Ça ressemble dans le design un peu rond comme ça. Voilà, le panier à linge. Et là, tu te dis, mais c'est jamais fini, il y a encore une autre pièce. Oh, cette baignoire de ouf. Enfin, je voulais dire cette salle de bain de ouf avec une baignoire de ouf. Voilà, une très longue baignoire d'ailleurs. Parce que des fois, les baignoires japonaises, je peux pas mettre tout mon corps, quoi. Genre, il faut que je plie mes jambes. Là, c'est super long. Je pense que je peux m'allonger en entier. Voilà, grand miroir, again. Puis des toilettes, bien sûr. Hein. Toilettes chauffantes. C'est trop bien. Alors, on va retourner vers la pièce principale qui est tellement énorme, j'ai plus l'habitude. Je me dis, mais je vais me mettre dans un coin, je vais pas tout utiliser. Parce qu'à Tokyo, mais franchement, on a quoi, 9 mètres carrés à tout casser, genre le minimum syndical, quoi. Et là, ben, on a 38 mètres carrés. Donc quand je vous dis que c'est 4 fois plus, c'est vraiment 4 fois plus. Alors, on va se faire une petite pause ici, là, au bureau. Parce que, si vous remarquez, il y a un petit peu tout mon univers. Enfin, mon univers. Il y a l'univers de Morgane, là, que vous voyez. Donc là, il y a le livre avec lequel étudie Morgane. Le Shonen Jump de cette semaine là, qui vient à peine de sortir. Et d'ailleurs on sait pourquoi c'est en avance, parce que aujourd'hui c'est un jour férié pour ce qui est de la presse. Il faut déjà que je vous dise au revoir, alors bye bye. J'espère que vous pouvez regarder en détail là, Yameshikishi.
Tadadam!